Oui, il démarre tout juste, cela fait à peine un petit quart d'heure que tous ces manifestants ont quitté Barbès, qui était le point de ralliement. Une manifestation qui a été maintenue malgré le changement de lieu du meeting d'Éric Zemmour. Et en effet, les manifestants sont en train de remonter le boulevard de la Chapelle pour aller jusqu'à la Villette, là où devait se tenir initialement le meeting d'Éric Zemmour. Vous le voyez, il y a des syndicats qui sont en tête de cortège. On peut citer notamment Solidaires, CGT qui sont présents ici. Mais au total, près d'une soixantaine d'associations ont on rejoint le mouvement à la manifestation aujourd'hui. On peut compter plusieurs centaines de personnes pour le moment. On aura un aperçu, une fois que la manifestation sera bien lancée, un meilleur aperçu. On pourra vous donner un meilleur chiffre. Mais en tout cas, voilà, plusieurs centaines de personnes rassemblées ici en début d'après-midi. Il faut dire qu'il y avait une grosse pluie tout à l'heure qui s'est calmée pour le moment. Donc ça avait peut-être refroidi un petit peu, expliqué certainement le retard, puisque cette manifestation devait s'élancer aux alentours de 13h. Et donc, on le voit, c'est avec les chants et les banderoles qui sont présentes ici, c'est bien le candidat Éric Zemmour qui est visé, mais pas seulement. La candidate Marine Le Pen est également visée. Il y a notamment cette banderole qu'on peut voir au fond. Zemmour, Le Pen, allez vous faire grand remplacer. Voilà un petit peu pour l'ambiance dans cette manifestation qui démarre dans le calme et de manière même assez festive depuis quelques minutes.